politiciens dans le bonheur qui font notre malheur. Les journalistes ne croient pas les mensonges des hommes politiques, mais ils les répètent. C'est pire. Un homme politique malhonnête, c'est comme un cerf-volant. Il est gonflé de vent, il s'appare des belles couleurs pour séduire. Et lorsqu'il vole, il est en général manipulé par quelqu'un qui tire les ficelles. En politique, mon cher, vous le savez comme moi, il n'y a pas d'homme, mais des idées. Pas de sentiments, mais des intérêts. En politique, on ne tue pas un homme, on supprime un obstacle. C'est la raison pour laquelle, avec mon père le voyageur, j'ai appris à regarder les hommes et la nature, afin de comprendre la nature des hommes. Bonjour, monsieur le ministre. À quoi me vaut cet honneur? Merci d'être venu. Tu sais, c'est bientôt les élections. Le président a besoin d'une forte mobilisation pour son meeting de correcture. Voici un sec pour que tu assures le boulot. Monsieur le politicien, au gros ventre, ma conscience n'est pas à vendre. Comment? Comment puis-je espérer un changement si pour voter, je prends ton argent? Accepter tes offrandes pendant les élections, c'est contribuer à instaurer ton pouvoir de corruption. Il paraît que pour un gouvernant corrupteur, un peuple corrompu n'a point de revendication. Il assiste et assume sans poser de ton. Monsieur le politicien au gros ventre, je ne changerai pas mon vote contre une donation et confisquer l'avenir de ma nation. Monsieur le politicien au gros ventre, ma conscience n'est pas à vendre. À la tête de ce pays, j'ose espérer des hommes et des femmes qui connaissent le prix du pain, mais pas d'un corrupteur qui, pendant les élections, me tend du pain. Je veux donner ma voix, ceux qui n'ignorent pas ma réalité, et non à des hommes qui, non seulement pendant les campagnes, s'intéressent à nos localités. Je veux des leaders, des visionnaires, pas ceux qui démasquent ma conscience. Je veux un homme ou une femme qui a une stratégie, des valeurs, des idées, une équipe, un programme, un projet de société. Et non un homme qui n'a que sa poste pour acheter nos voix. Allez! Je veux des personnes élues démocratiquement et non des hommes qui font la politique du ventre et l'achat de conscience. Monsieur le politicien au gros ventre, l'argent aboie, la conscience passe. Monsieur le politicien au gros ventre, ma conscience n'est pas à vendre. Faire de la politique avec de l'argent, c'est freiner ce pays et son développement. Monsieur le politicien au gros ventre, moi, ma conscience n'est pas à vendre. Tu feras un bon commerçant avec ton argent. Avec ton argent, un mauvais politicien. Comment? Mais tu es fou? Tu vas mourir de faim.
tu vas mourir ici dans cette précarité. C'est ici que tu vas mourir.